Une fois qu'on a trouvé un bon locataire, eh ben, il faut quand même se prémunir contre les impayés de loyer. C'est une tâche au quotidien, c'est une tâche de tous les instants. Peut-être pas tous les instants, mais plusieurs fois par mois, en fait, il y a des actions qui sont menées pour éviter l'impayé. Quelles sont-elles? On appelle les loyers au début du mois. Donc enfin, le locataire, on ne va pas lui courir après si le 2 il n'a pas payé. Mais par contre, on suit tous nos encaissements pour être totalement à jour. Et le 15, on sait parfaitement qui a payé et qui n'a pas payé. Là, on fait une relance. Relance simple, relance courrier auprès du locataire, courrier, courriel. Et donc, là, il y en a d'autres qui payent. On a ensuite une deuxième étape qui est le moment où on va payer les fournisseurs et les bailleurs, qui est vers le 20, le 25 du mois. Si là, le locataire n'a pas payé dans les 5 jours qu'on suivit la relance simple, là, on commence à lui courir après. On l'appelle et on lui explique qu'il y a un propriétaire derrière le bien et que le propriétaire, il a besoin de l'argent et que lui, le locataire, il faut qu'il paye son loyer. Là, on est dans une démarche téléphonique, c'est beaucoup plus impactant pour le locataire et là, on en a pas mal qui encore payent. Si derrière, il n'a pas payé au 31 du mois, ben là, il commence à nous énerver et en fait, on va lui envoyer une lettre recommandée. C'est un élément de plus et on va l'envoyer à son garant. Le garant reçoit cette lettre. Si c'est le père, la situation va se régulariser. Si le garant est un étranger, si le garant est un lointain cousin, si le garant, c'est un vieux garant, ça a un peu disparu, on n'arrive pas à l'avoir, ben là, on se retrouve dans des problèmes où le propriétaire peut quand même être embêté. Donc, pour se prémunir contre ça, on a une deuxième, un deuxième équipement, une deuxième proposition de service qui est vraiment très efficace. Et je peux dire, elle équipe à peu près 80% de nos bailleurs, c'est la garantie des loyers impayés. À quoi sert la garantie des loyers impayés? Elle prémunit complètement le propriétaire contre toutes les pertes de revenus que pourrait occasionner un contentieux de loyer impayé. Perte de loyer, perte du paiement des provisions de charges, perte liée à la détérioration du bien si le locataire s'en va et qu'il met le bazar dans l'appartement en partant, perte liée au délai de remise en état si le bien a été détérioré, indemnisation de tous les frais de justice, tous les frais d'huissier, bref. Là, on est dans un cadre d'assurance tout risque contre le loyer impayé. Et cerise sur le gâteau, chez Orpi Millet, en fait, l'assureur accepte tous les dossiers qu'on lui demande d'assurer. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de regard sur le choix du locataire. C'est bien votre agence qui choisira son locataire en fonction d'une découverte détaillée qu'on aura faite en antériorité. Et contrairement à un particulier, qui lui, s'il va chez son banquier, le banquier va lui demander d'avoir un dossier tellement propre que c'est très difficile d'avoir une garantie de loyer impayé en tant que particulier chez son banquier ou chez son assureur.